L'homme qui a réinventé la cuisine de bistrot et qui lui a donné des allures gastronomiques, eh bien, il est là aujourd'hui pour vous, dans 24 minutes chrono. Cet homme, c'est Yves Candebord. Bonjour Yves. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Mais écoutez, c'est un grand plaisir d'être là et d'honorer la cuisine béarnaise. Exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est un 24 minutes chrono spécial Sud-Ouest, spécial Béarn. C'est la cuisine que tu aimes, c'est la cuisine qui t'habite en fait depuis toujours. C'est la cuisine, je pense, c'est une cuisine qui est gourmande et surtout chargée d'émotions. Exactement, on va en parler des émotions, parce qu'il y a plein de souvenirs d'enfance dans tout ce qu'on va faire. Ouais, c'est un peu, je dirais, c'est un peu la vie d'un agriculteur béarnais, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui dans 24 minutes chrono? Parce qu'évidemment, tu vas cuisiner en moins d'une demi-heure. Je vais cuisiner en moins d'une demi-heure. Heureusement qu'on peut cuisiner en moins d'une demi-heure. Heureusement qu'on ne fait pas attendre les clients une demi-heure. C'est le chef du comptoir du Relais Saint-Germain qui vous dit ça. Donc vous pensez bien qu'il faut être sur le coup. On va cuisiner quelque chose qu'on cuisine rarement dans la gastronomie française, alors qu'au XVIIIe siècle, c'était l'œuf qui était considéré le plus fin, l'œuf de canne. Il y a très peu de producteurs qui en font. Ouais, c'est dur à trouver quand même. C'est très dur à trouver. Alors la recette, bien sûr, on peut la faire avec l'œuf de poule aussi. Mais là, je préfère l'œuf de canne parce que chez nous, on en utilise beaucoup. Et c'est un œuf qui a une particularité parce qu'il a une douceur. Et il est très suave, il est très agréable en bouche. Œuf de canne avec une sauce béarnaise. Avec une sauce béarnaise. On va vous montrer les rudiments de la sauce béarnaise, ça c'est la première chose. Deuxième chose, du jambon blanc. Jambon blanc, une petite salade de jambon blanc, cornichon pour amener un peu l'acidulé avec une petite salade de tomates mélangée. Et accompagné d'un loup régalette. Le loup régalette, alors ça c'est quoi? C'est du patois? C'est du patois béarnais. Et le loup régalette, c'est la collation que les paysans prenaient quand ils rentraient des champs. Ils prenaient des tranches de pain de maïs qui frottaient à l'ail, recouvert d'un peu de graisse de cochon. Un bon goûter, quoi. Un bon goûter pour les recharger par rapport à la dure journée que nos chers agriculteurs français en général aussi réalisent dans les champs pour avoir ces produits d'exception qu'on arrive à avoir. Qui est un métier physique, justement, et on a besoin de bonnes collations. Qui est un métier physique et surtout qui est un métier indispensable pour avoir une bonne cuisine. Sans eux, les cuisiniers, si on n'a pas la matière première, on n'existe pas. Eh bien, tiens, spécial dédicace à tous les paysans, agriculteurs, maraîchers, producteurs qui nous regardent aujourd'hui. Un grand merci. Hein, voilà, un grand merci à eux. Et elle est pour vous, cette émission. Allez, bon, c'est parti. On a que 24 minutes, faut quand même commencer à bosser. Allez, on commence par quoi alors? On va commencer par cuire bien sûr les œufs. On va cuire les œufs entre l'œuf dur, parce qu'on utilise un œuf dur aussi pour la salade de jambon. Ouais. Donc œuf dur et œuf de canne. Donc alors, là, on a utilisé la bouilloire. C'est comme vous à la maison, on s'organise, hein, on anticipe les choses. Tout à fait, tout à fait. Et on va faire chauffer l'eau. On va faire chauffer l'eau. Alors pour cuire des œufs mollets, c'est simple, de l'eau bouillante et du vinaigre blanc. Ah oui. Surtout pas mettre de sel. Si vous mettez du sel, vous aurez énormément de mal après à écaler votre œuf. C'est pour éviter en plus que la coquille se brise également, ça éviter va aider. Que la coquille se brise et surtout pour ça facilite l'écalage de l'œuf après. D'accord. Donc, on met à peu près, vous voyez, j'ai mis à peu près pour la valeur de il y a quoi, il y a 1,5 litre d'eau, j'ai mis 200 grammes de oui, voilà, 20 centilitres de vinaigre blanc. Voilà. Bon, ça c'est parfait. Après, je lance mon beurre clarifié. Ça, c'est la base de la sauce béarnaise. Voilà, c'est-à-dire que la sauce béarnaise, rapidement, vous allez voir après comment on la réalise, c'est une réduction de vinaigre, échalote, poivre et sel, qu'on va monter, on fait une émulsion à chaud avec des jaunes d'œufs, et après, on va la monter avec du beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est quoi? C'est du beurre, tout simplement. Qu'on va faire fondre, vas-y, là. Voilà, du beurre qu'on va faire fondre, de façon à ce qu'on va décanter, il va se décanter en fondant, on va séparer le petit lait et la crème. Les impuretés vont rester au fond et on va avoir un beurre en plus qu'on pourra utiliser pour la cuisson qui brûlera moins que le beurre traditionnel. Tout à fait, c'est encore une autre utilisation du beurre clarifié, mais c'est un beurre qui est intéressant parce que sur la cuisson, on a une coloration qui est uniforme. Alors regardez bien cette recette parce qu'on se fait parfois tout un monde de la sauce béarnaise et c'est très facile à faire et en plus, c'est un béarnais qui vous l'a fait aujourd'hui. Alors Laurent, pendant qu'on parle, je vais te dire de commencer à éplucher les échalotes. Les échalotes, très bien. Ça, c'est le bizutage. Voilà. Et surtout, te coupe un doigt. Il sait que j'adore ça. Et donc, j'ai préparé ma béarnaise. Pour la béarnaise, on a besoin de 20 centilitres de vinaigre blanc, du poivre concassé. Ah alors, oui. Avec un moulin à poivre. Pour faire du poivre concassé, c'est facile, Laurent. Vous le dévissez au maximum. Vas-y, montre-le. Vous le dévissez au maximum. De façon, tu vois, regarde. Tu vois, là. T'as le petit la mouture va être beaucoup plus grosse et donc on va tourner tout simplement de façon... Ça c'est malin et on va avoir l'équivalent de ce qu'on appelle la mignonnette de poivre. Exactement, regarde, tu vois, tu as la mignonnette de poivre, c'est pas la peine d'aller se compliquer à prendre un rouleau à pâtisserie. Ah c'est bien comme truc ça. Voilà, mais par contre c'est délicat, il faut vraiment... C'est un peu plus délicat, voilà, là il y en aura assez, donc on va mettre après de la fleur de sel, je me rends. Bien sûr, de la fleur de sel, en tant que béarnais, je suis obligé d'utiliser de la fleur de sel du Béarn. De la salice de Béarn. Et elle est originaire d'où d'ailleurs cette sauce béarnaise? Elle est originaire de Pau? Alors la sauce béarnaise n'est pas originaire de Pau, elle a été inventée au pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye. Ah bah dis, c'est une parisienne alors. C'est une parisienne. Et alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que le même jour, il y a deux recettes emblématiques de la cuisine française qui ont été inventées, c'est les pommes soufflées
et la sauce béarnaise. Ah, les pommes soufflées, ouais, la sauce béarnaise, ça c'est magnifique. Ça. Ah, oui, oui. Et donc, ça a été, ton mec, ça avait été inventé au pavillon Henri IV. Obligatoirement, ouais, ils ont donné le nom de la sauce béarnaise. Henri donc IV, là, on appelait le Vert-Galant. Le Vert-Galant. Hein. Là, je vais concasser un peu, prendre un peu de. L'estragon. Voilà la valeur de l'estragon frais. Bien sûr, l'important d'avoir un bel estragon. Hein. Voilà, ça c'est la base aussi, c'est l'herbe basique de la béarnaise. On pourrait y mettre du cerfeuil ou pas du tout? On pourrait la faire au cerfeuil, mais alors il y a une dérivée qui est très intéressante, qui est la sauce paloise et la sauce Poisson-Laurent. C'est exactement le même procédé, avec les mêmes ingrédients, sauf que l'estragon est remplacé par de la menthe. D'accord. Et c'est une sauce qui est remarquable quand on l'utilise avec de l'agneau. Ah, c'est très, bien. Très, très bon. Ah, l'agneau que t'adores cuisiner. Hein. Tout à fait. Je sais pas, Laurent, après, si ça marche, celui-ci. Celui-ci, on le met en chauffe aussi. Ah, tu peux le mettre à fond. À donc, fond pour aussi. Le clarifier, Laurent, tu vois, faut pas que ça boue, par contre. On veut pas faire du beurre noisette. Donc, dès qu'il est monté à température, on va le retirer de façon à ce que le petit lait à la crème se décante. Mais ça va se séparer naturellement. Ça va se séparer naturellement. En fait, hein. Voilà. Très bien. Donc, on est sur la conception de notre sauce béarnaise aujourd'hui qui va recouvrir un œuf de canne. Ce que j'aime chez Yves Condebord, c'est que c'est avant tout un amoureux, un passionné du produit. Et c'est ce qui a fait ton succès à la régalade, en fait. Hein. Entre autres, évidemment, où on venait pour cette cuisine décontractée où le produit était vraiment la vedette. Non, je pense qu'on fait ça tout simplement. Je dirais, on fait de la cuisine. Faire de la cuisine sans produit, Laurent, je vois pas comment on peut la faire. Oui, mais. C'est vrai que maintenant, il y a une forme de tendance qui est revenue, a priori. Il y en a qui faisaient de la cuisine avec de l'aluminium et du. Je pense avec de l'aluminium et du bois. Oui. Parce qu'on parle maintenant qu'on fait la cuisine avec des produits. Mais la cuisine française, il y a toujours eu les produits. La différence avec la cuisine mondiale et la cuisine française, c'est que la cuisine française, avant tout, elle s'appuie sur les gens qui sont derrière nous. Ce qu'on disait tout à l'heure, les agriculteurs. Exactement. Avec des produits d'exception. Bon, Laurent, l'eau se met à bouillir. Alors, oula. Faire un œuf mollet. Et une petite astuce, Laurent. Pour faire un œuf mollet, l'important, c'est centrer le jaune. Oui, c'est-à-dire qu'il soit bien au milieu. Bien au milieu. Comment on fait? Tout simplement, Laurent, on prend ses œufs et on les secoue. Comme un shaker. Comme un shaker. On les secoue de façon. On va avoir les jaunes. C'est génial, ça. On les secoue. Et là, délicatement, l'important aussi, Laurent, il faut que les œufs soient à température, surtout pas sortir les œufs du frigo. Pas de choc thermique. Non, pas sortir les œufs du réfrigérateur. S'il y a un choc thermique, la coquille. Elle va péter. Va péter. Donc là, je vais mettre mes œufs. Tu as un chronomètre? J'ai un chronomètre parce que là, on est dans la précision quand là, même. Là, pour un œuf mollet, il faut être très précis. Alors combien il faut? Alors là, il faut 4,55. Parce que c'est en fonction du grammage aussi. C'est en fonction du grammage. Là, c'est des œufs qui font 90 grammes, donc il faut 4,55. L'important, Laurent, quand vous faites un œuf mollet, c'est qu'il faut faire un essai. Si vous avez des œufs de poule, ou même des œufs, de toute façon, vous très bien le faire avec des œufs de poule qui pèsent, admettons, que 60-70 grammes, Mais testez un œuf en le cuisant 4,30. Vous le cuisez, vous le coupez en deux pour voir si le jaune est encore bien liquide. Et ensuite, on garde ça comme valeur de test fait, et on refait toujours la même chose, on bien peut sûr. Pas, on ne peut pas dire qu'il faut systématiquement 4,55, ça dépend du grammage. Ça dépend du poids, évidemment. Ça dépend du poids. Donc c'est voilà. Donc tu as bien pris le temps? J'ai bien pris le temps, on a 41 secondes là. Donc là, pendant ce temps-là, je vais. Regarde. Hop, je vais ciseler finement. Notre échalote. Mon échalote, voilà. L'échalote qui est vraiment un condiment de notre cuisine traditionnelle. La vraie échalote bretonne, regardez, ça c'est de la vraie. Elle est asymétrique, un bombé sur le dessus. C'est le mal. On a beaucoup de mal maintenant à en trouver, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention parce qu'on a l'impression que sur une recette comme la béarnaise, l'ingrédient de l'échalote n'est pas important. Mais non. Tous les ingrédients utilisés dans une recette sont importants. Comment t'es venu l'amour de la cuisine, toi? Tu as passé un CAP de cuisinier du côté de chez toi, à Pau. Voilà, c'est-à-dire que moi, là, au départ, je suis rentré en cuisine parce que je voulais jouer au rugby. Et mon père m'a dit, tu peux pas jouer au rugby, il faut faire quelque chose. Alors, étant donné que moi, j'avais ma grand-mère qui était dans le métier, mes parents qui étaient charcutiers en tenant une ferme en même temps, bon, ben, je lui ai dit, écoutez, je vais faire cuisinier. J'ai fait mes premières années, honnêtement, sans émotion. Sans émotion. Ouais. Et c'est une rencontre assez exceptionnelle quand j'ai eu la chance de rentrer à l'hôtel Ritz. Parce qu'il y avait un vieux cuisinier de chez nous dans la région qui était en contact avec l'hôtel Ritz. Et j'ai rencontré Christian Constant. Et j'ai retrouvé cette ambiance que j'aimais, c'est-à-dire cette ambiance d'équipe, de recherche, de compétiteur, de partage. Et ça m'a. Je suis devenu un peu, je dirais, un peu gaga presque. Christian Constant, qu'on salue, hein, qui est devenu quelque part un peu ton maître spirituel. C'est pas qu'il est devenu, quoi. Hein. C'est mon maître spirituel. C'est ton maître spirituel. Donc là, je vais rajouter. L'échalote à l'intérieur. Je vais tu fais, ah oui, comme à la maison. Comme à la maison. T'es pas dans les cuisines du comptoir, t'es comme à la maison. On sent vraiment l'acidité du vinaigre, ça nous fait presque pleurer. Ah oui, ça nous fait pleurer. On a les vapeurs qui remontent. Et là, on va le faire cuire. On va le faire cuire tranquillement. Alors, ça fait 2 minutes 14 que notre œuf. On est bien, on est sur le coup. On va débarrasser ça, Laurent, parce que si on ne débarrasse pas, après, c'est le bazar en cuisine. Exactement. C'est important d'avoir de l'ordre. T'es très, très ordonné. J'ai venu te voir plusieurs fois en cuisine. C'est au millimètre chez toi. Hein. C'est important, de toute façon, quand on travaille en cuisine, il y a un dicton que le cuisinier dit. C'est qu'une fois qu'on a fini quelque chose, on ne doit pas voir
ce qu'on a fait. Exactement. C'est important. Et le propre et le sale ne doivent jamais se croiser. Jamais. Donc là, j'ai ma réduction qui est en fonctionnement. J'ai mon beurre karité. Regarde, Laurent, on le voit là. On le voit. Si on peut le voir à la caméra. Si, regardez. Oui, on voit que ça commence à se décanter entre le petit lait et la crème. Les impuretés vont aller au fond. Et les œufs vont aller au fond, oui. Parce qu'on va utiliser après aussi l'intelligence quand on travaille à la maison. C'est-à-dire, c'est travailler comme un professionnel. L'eau qu'on va utiliser. On va pas l'acheter. On va surtout pas l'acheter. On va cuire nos œufs durs. Et après, on va préparer, Laurent, tu vas les préparer. Les tomates. Les tomates émondées. On va émonder les tomates, c'est-à-dire qu'on va leur retirer la peau pour les concasser. Ce sera pour la salade de jambon blanc de tout à l'heure. Alors, pour émonder les tomates, voilà, on fait une petite croix sur le dessus. Sur les fesses. Voilà, sur les fesses, et on retire le pédoncule. Et on retire le pédoncule, voilà. Et ça va nous permettre de retirer la peau comme il faut. Le temps, Laurent, 3-18. 3-18, mon cher Yves Candebord. Voilà. C'est une joie de te recevoir dans 24 minutes chrono. Et c'est un plaisir de venir cuisiner. Ça me fait vraiment plaisir, et c'est ta cuisine, celle du Sud-Ouest, celle que tu aimes tant. Alors, tu vois, Laurent, là, la réduction va commencer à être pratiquement à sec. Et une fois qu'elle est à sec, pour vraiment que tous les arômes de l'estragon et de l'échalote apparaissent après dans la béarnaise, on va la remouiller avec de l'eau. D'accord. Pour à nouveau cuire suffisamment les échalotes. Et on va avoir besoin de jaune d'œuf également. Après, là, on va clarifier les jaunes d'œuf. On va attendre d'avoir fini. Tu vois, là, je vais remouiller légèrement ma réduction. Regardez, une avec béarnaise. De l'eau. Je te laisse faire marcher le. Tu me dis. Vas-y, maison. Voilà, laisse-toi y aller. Voilà, stop, c'est bon. Allez, là, c'est on parti. Va recuire. Et elle repart en chauffe. Elle repart en chauffe. Voilà, donc le beurre clarifié se passe bien. Le temps pour les œufs. Le temps pour les œufs, 4 minutes 3. Il nous reste encore 50 petites secondes. On va préparer pour l'œuf de cannelé. De l'eau bien froide. Ah oui, parce qu'on va les refroidir pour stopper la cuisson. Si vous arrêtez pas la cuisson, obligatoirement. Il va virer au dur. Il va virer au dur. Il n'arrive peut-être pas dur, mais il arrivera à un moment donné, problématique, que le jaune ne sera pas suffisamment liquide. Parce que l'intérêt de la recette, c'est vraiment qu'on ait le jaune liquide. Encore une fois, vous voyez, c'est de l'organisation, ce sont des trucs, des astuces qui vous permettent de cuisiner au quotidien. C'est pas compliqué, la cuisine, c'est avant tout une histoire de produits et d'organisation. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de voir avec Yves Candebord. Tout à fait, voilà. Alors ça sent bon, hein. Je peux vous dire que ce petit fumet de l'estragon, du vinaigre et de l'échalote, ça parfume. On sent l'arôme, c'est vrai que c'est un beau mélange entre l'acidité et un peu le sucré de l'échalote qui est en train d'apparaître. Elle est en train tout doucement de prendre forme. 4,50. 3, 2, 1, top, tu peux les retirer. Voilà, on va retirer nos œufs. On va retirer. Voilà, délicatement, mais attention, bien sûr, de ne pas les esquinter. Voilà. Voilà. Ça, c'est un œuf de canne. En plus, il est venu avec ses œufs de canne. Tu as grandi en plus, toi, ça te rappelle les souvenirs d'enfance. Ah, complètement. Moi, j'ai grandi dans une ferme. Papa avait une ferme, maman tenait une charcuterie. C'était un endroit assez exceptionnel. Et la poule au pot du dimanche. Donc là, Laurent, allez, on va compter 9 minutes pour les œufs durs. Voilà. Donc ça, c'est parti. Effectivement, là aussi, c'est vrai que c'est bien que tu insistes sur la précision. C'est 9 minutes, l'œuf dur. Parce que quand on se dit, tiens, c'est un œuf dur, on va le laisser 11-12. Et non, c'est là qu'il vire au gris, en fait. Il vire au gris. Et en plus, le trop cuit, ça sert les aliments. Quand c'est trop cuit, on va tout simplement sur une viande. Une viande cuite, c'est une viande qui est sèche. Exactement. Il y a des gens qui aiment ça, il faut respecter. Mais c'est pas intéressant pour un œuf dur. Un œuf dur, il doit rester onctueux et moelleux. Et puis une belle couleur. C'est exactement pareil. Le temps de cuisson dépend de la grosseur de l'œuf. Bien sûr. Voilà. Là, j'ai des œufs, vous avez quand même des œufs qui font 60 grammes, mais je les cuis que 9 minutes. Si j'aurais un œuf qui ferait 70-75 grammes, je monterais un peu plus en cuisson. Et en même temps, Laurent, je vais émonder mes tomates. Donc, ma tomate que tu as retirée, j'ai préparé. Je vais la plonger directement dans l'eau. Je vais la laisser à peine. Allez, 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Ouais. Hein, ça fait 13 minutes que nous sommes ensemble, que nous cuisinons avec Yves Candebord, le chef de l'hôtel du Relais Saint-Germain, le comptoir et l'avant-comptoir où on peut déguster les tapas. Et d'ailleurs, après cet œuf de canne sauce béarnaise, on vous fera une espèce de petit tapas du Pays Basque, hein, je peux l'appeler comme ça. Du Béarn, non, pardon. C'est pas un tapas, Laurent. On est en France. Ah. On est français, on est béarnais. Les tapas, c'est l'autre côté de la frontière. Ah, je vais m'en prendre une. Donc c'est un hors d'œuvre. Un hors d'œuvre dans la gastronomie française, c'est un petit mets. Voilà. Qu'on prend avant d'aller à table. Donc on ne fera pas de tapas, vous avez compris, voilà. On fera un petit hors d'œuvre du verre. Donc voilà, tomate, donc j'ai sorti de l'eau, Laurent. Je vais la mettre à rafraîchir, c'est pas très grave, je la mets avec mes œufs. Pareil, c'est pour stopper la cuisson. Et là, Laurent, on va commencer à préparer les jaunes d'œufs. L'idéal, Laurent, si t'as des glaçons, c'est mettre des glaçons, l'idéal. Oui, exactement. Bon, est-ce que tu sais clarifier un œuf? Bah écoute, j'ai appris ça, mais je sais plus. Allez, on va prendre des œufs. Si je vais être à la hauteur. On prend ceci. Tu me clarifies 4 jaunes. 4 jaunes, allez, voilà. C'est parti. Voilà. Tu as pris le temps pour les œufs durs? J'ai pris le temps pour les œufs durs, absolument. C'est bien. Et pendant ce temps-là, moi, je vais commencer à passer mon beurre clarifié, tout doucement. Œuf de canne, mollet, sauce béarnaise aujourd'hui avec Yves Candebord. Si vous faites attention d'essayer d'enlever le germe. Oui, ça c'est vrai que le germe. Oui, tu peux le mettre, tu peux le laisser dans les blancs d'œufs. Voilà, donc là, je vais commencer, Laurent, tout simplement. Tu vois. Je vais passer mon beurre clarifié. Pour passer le beurre clarifié, pour ne pas prendre de risque, Laurent, je prends donc une passoire où j'y mets une feuille de.
de papier absorbant et je vais filtrer mon beurre dedans en prenant soin de ne pas prendre le petit lait qui est au fond de la casserole. La sauce béarnaise en temps réel, c'est ce que nous sommes en train de faire avec Yves Candebordes. Voilà. On va le déposer là. Voilà, et des jaunes. Voilà, là je vais stopper parce que l'eau est suffisamment froide pour stopper la cuisson de nos œufs de canne. On va laisser le beurre filtrer tout doucement. Il va filtrer tout seul. Donc tu m'as fait les jaunes, voilà. Alors on compte Laurent, pour... donc ça les blancs d'œufs, on va les mettre au réfrigérateur. Les blancs au réfrigérateur, la réduction... Après, les blancs, il faut les garder, Laurent. On peut très bien l'utiliser après en pâtisserie. Pour faire des meringues. Des meringues, c'est très facile à faire. Et si vous avez des cuivres à la maison avec du gros sel pour nettoyer les cuivres. Avec du gros sel, gros sel et farine. Gros sel et farine. Voilà, Laurent, pour une émulsion d'œuf, on compte la valeur d'une cuillère à soupe d'eau par œuf. Alors là, il en faut 4. Donc une cuillère. Tout est en temps réel, regardez, même le grammage de la cuillère. Alors, on va accélérer un petit peu parce qu'il faut qu'on garde le rythme quand même. Allez. Une fois qu'on aura fait notre sauce béarnaise, on attaquera notre salade de jambon blanc. Voilà, vas-y, je te laisse mélanger. Fouette un peu. Les œufs durs, Laurent, attends. Le temps des œufs durs. Le temps des œufs durs, il nous reste encore, allez, 3 minutes pour les œufs durs. Donc là, Laurent, tu vois que la sauce, quoi, donc c'est la réduction, est réalisée. Donc on va retirer légèrement pour l'instant la réduction du feu. Et voilà, c'est une émulsion, c'est ça. Émulsion. Et là, délicatement au départ, je vais verser mes œufs. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué une béarnaise en fait. Je vais prendre ça. Voilà. Et là, je vais me remettre sur le feu. Tu peux me le régler à... moyen. Moyen, attends-le à 4. Pas trop fort, hein. C'est 65 degrés, c'est ça un peu plus. Là, Laurent, là, c'est délicat. C'est quand même assez délicat. Il faut arriver à réaliser ce qu'on appelle, nous, réaliser un 8. C'est-à-dire que j'ai fait un 8 de façon à ce que l'émulsion se réalise. C'est-à-dire qu'une émulsion à chaud, en fin de compte, c'est arriver à incorporer de l'air, de l'oxygène dans les œufs, de façon à ce que ça prenne du volume. Il fouette en faisant un 8, regardez, vous voyez. Il dessine un 8 dans le fond de la casserole. Je dessine un 8. Donc là, on va la laisser monter tranquille. Voilà, c'est le côté le plus délicat. Voilà. Tu peux déjà, peut-être, Laurent, si tu veux prendre la tomate. Je vais monter la tomate. Voilà, et monte allez. La tomate. Gagnons du temps, c'est ça la cuisine, c'est de l'organisation. On fait une autre chose pendant que quelque chose cuit. Alors là, on est à deux en plus, donc c'est vrai qu'on gagne. Là, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Donc voilà, je monte ma sauce. Alors Laurent, la cuisson de la béarnaise, c'est assez facile. L'important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de coagulation de l'œuf. Oui, il ne faut pas que ça fige. Donc voilà. Donc c'est qu'à un moment donné, Laurent, je ne sais pas si on le voit, quand je commence à tourner, que systématiquement je vois le fond de ma casserole, ça veut dire que ma mayonnaise commence à être cuite. Voilà, c'est la consistance d'une mayonnaise, pratiquement. C'est une consistance de mayonnaise. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut sentir la chaleur sur la lèvre inférieure. Sans se brûler. Sans se brûler. Voilà, ça, c'est légèrement la sortir. C'est un petit détail technique. Ça, c'est un truc de cuisinier. C'est une astuce. Mais bien sûr, parce que c'est une astuce, mais c'est une astuce qui est très, très importante. Voilà. Donc, ma mayonnaise va pas tarder à être cuite. On voit qu'elle a commencé à prendre la consistance. Voilà. Et maintenant, donc là, on monte avec le beurre clarifié. Voilà. Donc, une fois que la réduction, que la cuisson de l'œuf est réalisée, avec la réduction, je vais monter délicatement. Tu peux me tenir la casserole. Voilà, je vais monter délicatement, petit à petit, mon beurre clarifié à l'intérieur. Voilà, et vous voyez ce beurre, il y a les impuretés qui sont au fond et il va remplacer l'huile de la mayonnaise. C'est une émulsion à chaud, en fait, la béarnaise. Tout à fait. Et là, il faut incorporer le beurre petit à petit. Il faut pas prendre, son temps. Là. Ça sent bon. Voilà. Voilà. La béarnaise. Regardez-moi ce geste en plus d'Yves Candebordes. Ça, c'est beau. Ça, c'est un joli geste, ça. Donc là, Laurent, on va la passer. Tu as récupéré la passoire. La passoire. Oh, c'est pas la peine de la laver, parce que c'était le beurre qui est dedans. C'était le beurre, donc on peut y retourner. Le beurre, on va prendre. Et on va la passer au tamis pour avoir une sauce béarnaise bien lisse. Oui, c'est-à-dire que là, on va retirer la réduction. Sinon, on aurait quelque chose en bouche qui serait pas forcément très agréable. Voilà, délicatement. Quel est ton vrai premier souvenir d'enfance gustatif en cuisine? C'est la poule au pot du dimanche? C'est les œufs du poulailler? C'est quoi? C'est le foie gras? C'est le foie gras parce que c'était encore à l'époque un produit de saison, malheureusement, qui a un peu disparu. C'est-à-dire qu'à un moment, on le trouve dans toute l'année. C'est un peu dommage, je trouve. C'était un produit de saison qu'on consommait simplement en fin d'année. Un produit de fête. Voilà, un produit de fête. Quand on recevait des canards gras à la maison,
C'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et tu m'as appris à faire quelque chose d'incroyable, à réaliser un foie gras mi-cuit soi-même à la maison au micro-ondes. Au micro-ondes, tout à fait. Hein, ça, c'est un truc de dingue, ça. Il y a quelques anciens cuisiniers qui ont grincé des dents quand j'ai fait ça pour la première fois. Mais c'est vrai que je trouve qu'à la maison, ça donne un résultat merveilleux. Bah, bien sûr. Et surtout, il y a une propreté, une hygiène, et on a une régularité qui est très, très intéressante. 2 minutes 30 au micro-ondes, il fait son foie gras mi-cuit. Un foie gras de 400 grammes qu'on dénerve, qu'on assaisonne. Après, vous l'assaisonnez avec un peu, selon votre goût, si vous voulez y mettre un peu d'armagnac ou un peu de jurançon, sel et poivre, et une petite pointe de sucre très légère, enrobée après dans une feuille de papier fine, 2,30 au micro-ondes, instantanément mis au réfrigérateur, et le lendemain, vous avez un foie gras qui est merveilleux. Voilà, ça s'appelle le foie gras mi-cuit. Vous venez d'apprendre la sauce béarnaise en temps réel et le foie gras façon Yves Condebord. Dites donc, vous êtes gâté aujourd'hui. Hein. Alors voilà, la béarnaise est terminée. Hein. Le Béarn dans 24 minutes chrono, c'est presque le coup de feu, là. Alors, écale les œufs, je toste les... Oui, chef. Je toste les pains maïs. Là, je vais émincer un peu d'estragon parce que je vais remettre un peu de... Pour redonner, toi, du peps à la sauce béarnaise, je vais remettre un peu d'estragon frais. Ah, puis il a un parfum vraiment unique, l'estragon. Voilà. Tu sais que c'est excellent pour le hockey, l'estragon. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Tu vois, et en plus, ça va lui donner, toi, une belle couleur. Toi, voilà. Une belle couleur. Voilà. Et ça, par contre, il faut surtout le mettre pratiquement à la dernière minute. Après, je vais réaliser ma salade. En voilà un. En voilà un. Un œuf mollet. Je te fais les œufs durs aussi. Hein. Voilà, et calme-moi un œuf dur aussi. Très bien, c'est je parti. Vais, attends, je vais... 24 minutes chrono, le Béarn, attention, le Pays Basque avec Yves Condebord. Là, je vais préparer ma salade de jambon. Tout simplement, je vais tailler des cubes de jambon. Tout simplement. Un beau jambon blanc. Voilà. Hein, ça, là, c'est... Par contre, il faut aussi le prendre. Là, c'est le jambon que mon frère Philippe fait. C'est un jambon sans nitrate, sans sel. À peau. De conservation à peau. Place Clémenceau. C'est un super... Putain, t'as connu même l'adresse. Ah, t'as vu, c'est incroyable. Bah, on a donc, les regarde, bonnes adresses, c'est toujours important de les connaître. Je ne me complique pas, alors. Je coupe des petites cubes de jambon. Voilà. Après, je vais additionner là-dedans un peu de rondelles de cornichons pour y amener un peu d'acidité. Pour lui donner, pareil, pour lui donner du punch. La cuisine doit y avoir du punch. Fais attention que mes du relief. C'est des toasts au pain voilà, de maïs. Voilà, hein. Tout à fait. C'est un pain maïs. C'est un pain maïs qui me vient, pareil, du Béarn, qui est fait à Oloron-Sainte-Marie. C'est un pain maïs qui est relevé au piment d'Espelette. Tu vois, comme quoi, dans le Béarn, on n'est pas chauvin. Parce qu'on utilise du piment d'Espelette de chez les Basques. Chez les Basques, hein, vous voyez, les Béarnais et les Basques sont copains. Eh ben oui, regardez la preuve aujourd'hui, dans 24 minutes chrono. J'aime ça. Et c'est vrai que là, c'est le lourd régalette, cette petite collation. Donc, ce petit plat, ce petit goûter paysan, voilà. On va dire. Hein. Est-ce que tu m'as fait le... L'œuf dur et les deux. Voilà, tu as un œuf dur et deux œufs de canne mollets pour notre béarnaise. Écoute, on va coupe un peu l'œuf dur, Laurent. Je coupe l'œuf dur. Voilà, en quoi, en cube, en carré? Tu le coupes, tu le haches grossièrement. C'est grossièrement pas une grosse importance. L'important, par contre, pour le toast, Laurent, tu vois, c'est leur donner une belle coloration, qui aime beaucoup ça. Ah, voilà, faut que ce soit doré. Allez, coupe l'œuf dur vite fait, parce que là, on est peut-être on va être juste en ah, c'est le coup de feu, c'est comme dans les cuisines, comme chez écoute, toi. On a peut-être un peu trop parlé en, ouais, mais c'est... en début. Je suis tellement ravi de te recevoir. Oui, on a un peu parlé au début, mais c'était important, justement, de parler de tout ça, de l'importance des produits qui sont au cœur de ta cuisine. Hein? Ouais, puis je pense que c'est quand même important, c'est faire une cuisine. La cuisine, c'est important, c'est quoi, Laurent? Il faut mettre du goût. Et du cœur. Voilà, du cœur, du goût, de la passion. Et parce qu'après, le plus important de tout, c'est quoi? C'est quand le client va manger qu'il ait de l'émotion. Exactement. Quoi qu'on fasse, s'il n'y a pas d'émotion, c'est pas génial. Et alors justement, voilà. Tu parlais de l'émotion qui est arrivée avec Christian Constant. Toi, est-ce que tu as le souvenir d'un plat en particulier qui t'a donné de l'émotion? Avec Christian Constant, il y avait un plat qui était exceptionnel. Mais moi, j'aime en plus les plats de saison. C'est-à-dire que les plats qu'on ne fait pas trop souvent. Parce qu'à un moment donné, quand on répète très souvent les mêmes plats, il y a moins d'émotion. Mais le lièvre à la royale, on va rentrer en plus en pleine saison. Ah oui, oui, oui. On va rentrer en pleine saison. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Laurent, tu le mélanges. Oui, tu mélanges, tu rajoutes un peu, à peine un peu, une pointe d'huile d'olive. Là, mes deux toasts qui sont bien grillés, Laurent. Je vais prendre. Ça, c'est magnifique, ça. Je vais prendre la j'ai hâte de goûter cette béarnaise. La béarnaise en 24 minutes chrono. Allez, la poêle, on va stopper. Mais là, peut-être Laurent, on est en train d'accélérer parce que je pense qu'on est peut-être en retard. C'est le coup de feu. Non, non, il nous reste encore deux bonnes minutes. Voilà, c'est important, bon. Laurent, mon petit pain, là. Je vais le frotter à l'ail, très légèrement. C'est important, le côté aillé. Même quand on est en retard, il faut quand même mettre tous les ingrédients. Oui, hein. Exactement. Parce que le client, lui, il n'est pas censé savoir qu'on est en retard. Et c'est pour ça que je parlais un petit peu du côté tapas, parce que ça ressemble un petit peu ça, au pan con tomate qu'on va faire en oui, Espagne. Oui, c'est tout à fait. Mais vous savez que les Pyrénées, hein, le Béarn, il n'y a que la chaîne des Pyrénées qui est entre deux. Alors on ne sait pas qui a copié l'autre. Hein. Tiens, goûte-moi ça. Fais-moi vous goûter. Alors, tu peux y mettre un bon coup de poivre dessus. Un bon coup de poivre. Un bon coup de pain dessus. Oui, chef. Bon coup de pain dessus. Allez, c'est parti. Voilà, je mets deux petits pains faits. Une autre cuillère. C'est comme en cuisine, on n'utilise évidemment pas la même cuillère. Un petit peu d'huile d'olive. Dessus, je vais prendre
Ma joue de porc en salaison, regarde comme elle soigne, regarde comme elle est belle. Ça c'est beau. Ça c'est un signe de qualité quand le gras fond comme ça. Et puis de toute façon l'importance quand on mange de la charcuterie, quelle que soit la charcuterie, laissez la température ambiante. Exactement, c'est comme le fromage. Allez maintenant on va dresser Laurent. On va dresser. Voilà nos deux petits œufs qui sont là, on va juste les poser dans la poêle qui est encore un peu tiède. Ah oui? Mais juste pour les réchauffer très légèrement. Juste. D'accord. Mais tu peux très bien aussi les poser, tu vois, les mettre, tremper un peu dans une casserole d'eau aussi. Je vais mettre ma petite salade de jambon au fond de mes assiettes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça apporte de la couleur, c'est ça que j'aime aussi. Surtout, ça apporte du goût. Du goût. L'œuf dur, le jambon, du frérot qui est charcutier, et puis le cornichon. C'est un bonheur tout ça, regardez-moi ça. Après, on va prendre nos deux petits œufs qu'on va poser sur le centre, comme si c'était un lit, comme si c'était un petit lit de paille, pareil. Je te mets une cuillère pour la béarnaise. Je retire le foie. Sur les œufs, on va remettre. Mmh. Attrape le poivre, Laurent. Mets-moi un coup de poivre sur les œufs. Oui, chef. Important. Un peu de fleur de sel. C'est important. Attention, Laurent. N'exagère pas trop en poivre. Nous sommes dans les cuisines du comptoir du relais. Et je vais me faire virer, je pense. Je vais me faire virer. Dessus, Laurent. Je vais napper mon œuf. Je vais poser ma béarnaise sur mon œuf. En même temps, c'est joli. Ça donne du relief dans le blanc. Ouais, ça on peut dire ça. Ouais, c'est... On peut dire ça. On se rattrape comme on peut. On trouve toujours les solutions à tout. Alors, je vais mettre au centre. Voilà. Je vais poser ma béarnaise sur mon œuf. La béarnaise que nous avons fait en temps réel. Voilà. On déborde peut-être un peu aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause avec Yves Candebord. Il va me dire que je suis en retard. Dans 24 minutes chrono. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on était bavard. Juste. Voilà, l'ajout de porc. Voilà. Et là, j'accompagne ça de mes deux petits pains. Deux petits pains. C'est magnifique ça. Je vais t'assurer, Laurent. Moi, je dis bravo. Il manque plus qu'à déguster. On l'applaudit et dégustons. Bravo, Yves Candebord. Allez. Bravo, l'ami. Attends, une photo. On se quitte toujours avec une photo de notre chef invité. C'était Yves Candebord, le chef du comptoir du relais. Merci beaucoup. Merci à toi, Laurent. Cher Yves, à bientôt.